Salut les amis, salut la ressourcerie, c'est James, votre coach, pour notre programme Tabata. Aujourd'hui, un Tabata lors du jour, les deux derniers exercices qu'on a vus, les high run et les planches latérales alternées. On va donc alterner ces deux exercices. Une fois les high run, les courses en montant les genoux, une fois les planches latérales. Si vous avez besoin d'un petit échauffement, je vous rappelle notre petite routine d'échauffement, si vous en avez besoin. Sinon, on démarre tout de suite notre entraînement Tabata du jour. Mon chrono est prêt. Je n'ai juste qu'à le lancer. Ça démarre dans 7 secondes. On commence high run. Prêt? Allez, go! High run. Tu montes les genoux en courant sur place. Donc, le high run, c'est la course sur place. En gardant le dos bien droit, sauf qu'au lieu de courir avec les talons vers les fesses, tu cours en montant les genoux à hauteur des hanches. Utilise bien tes bras. Ok. On passe au sol pour le deuxième exercice, le second même, ce n'est que deux. Je suis en planche, les planches latérales alternées. Tourne une fois d'un côté, une fois de l'autre. Tu reviens en planche. Voilà. Garde bien le bassin vers le ciel quand tu passes en planche latérale. Et ne le monte pas quand tu reviens en planche frontale. Surtout là, son côté, tu montes pour contracter, tu montes pour contracter. Ok. Ça, 4 fois pour faire nos 8 tours d'entraînement. High run, cours. Allez, cours sur place. Cours, cours. Monte bien tes genoux. Regardez-moi, comme si je faisais un petit jogging. Il faut que j'utilise mes bras pour dynamiser le travail cardio. Respire bien. 3. Ok. Respire. Ventile. Planche latérale alternée. Ouvre. Passionné. Mais j'ai commencé de l'autre côté. C'est bien que tu fais les planches latérales. Une fois que tu commences d'un côté, à droite par exemple, et une fois que tu commences de l'autre côté, pour être sûr de respecter la bilatéralité. Ok. Des fois, si tu vas plus vite, tu vas faire plus souvent un côté que l'autre. Donc, alterne le début. On your run, ready, action. J'adore. Rien que le mot, on your run. Oui. Si je te dis cours en montant les genoux, c'est moins bien, hein, non? Moi j'adore ce mot. I'm so excited. Allez, serre les abdominaux. Ils sont essentiels tes abdominaux. Hein. C'est eux qui te permettent de monter tes genoux. Pense à bien les utiliser. Planche. Je redémarre de l'autre côté. Pour ma bilatéralité. Ouvre bien, je vous rappelle, soit en ouverture, soit en déploiement, si tu veux engager plus, la taille. Ok. Le fait de déployer, ça te permet de mieux monter le bassin, mieux travailler la taille. Moi, je préfère l'ouverture pour travailler le cardio. Dernier tour, go! Monte tes genoux, essaye de garder au-dessus des hanches. Comme si tu voulais les appuyer sur les oreilles. On y est presque. Tiens bon. And the last one. Plank. Lateral. Hop. En ouverture. Hop. Pour te ramener cardio. Tourne bien les hanches. Monte le bassin dans le ciel en même temps que tu montes ta main. C'est bien. C'est terminé. Relâche les épaules. Respire. On a terminé pour ce programme Tabata du jour. Bravo les amis. Je vous dis à demain pour un prochain Tabata.